qu'elle a fait un gros poster que c'est sa mère. J'ai accepté ça comme ça. L'erreur que j'avais commise, c'est venir mentir que c'est monté, c'est descendu. Mais quand Coco va parler de toi, j'entre dans son direct, elle a encore un peu du respect pour moi par rapport à ça. Ne parle pas de Mado. Mais que du jour au lendemain, tu insultes Coco, tu m'insultes. Alors que tu pouvais bien insulter Coco, tu ne m'insultais pas, je n'allais même pas entrer. Peut-être que j'allais aussi faire un post et dire que Mado, c'est ma copine. Maman Vogel, là, je ne me mêle pas, je suis neutre. J'allais disparaître de Facebook. Pourquoi Coco voit comment ça se passe? Je pouvais même bien le faire. Mais maintenant, envoyer ta générale m'insulter. Parce que c'est toi qui l'envoies insulter. Maintenant que tu as déclaré la guerre, on va sauf que l'affaire. Et j'appelle mon général, ma générale là maintenant, elle te donne un petit déjeuner parce qu'elle vient de m'appeler là. Et comme je t'ai dit dans le message, c'est bon à moi. C'est trop sucré à moi. À cause de la monétisation, du manquement, vous manquez le respect aux gens que vous ne connaissez pas. Hein? Alors que j'avais bien de l'amour pour toi. Hein? Tu sais combien de personnes t'ont aimé? Tu sais combien de personnes, la team PDG, des abeilles, je les ai vues là-bas. On te calme, non, tu ne te calmes pas. Tu veux aller chez Maire Daloi. C'est comme si c'est quelqu'un qui t'avait envoyé insulter Maire Daloi. Mais l'histoire retiendra que aujourd'hui, elle reste Maire Daloi. Oui, allô? Allô? Ah, bonjour. Elle est admirale. Hein? Laisse-moi, comme je suis un peu en direct, je t'appelle. Mais on ne t'entend pas. Hein? Laisse. Eh, ben, ma, c'est beau, ouais. Ben, mais c'est beau, ouais. Vous croyez que c'est vous? Voilà, maintenant on dit qu'elle est admirale, qu'on n'est même pas généralement. Je connais que c'est comment. Les bas admiraux, les bas généraux, les bas ceci, cela. Quand elle finit comme ça, elle te lave pas. Ou là-bas, il est quelle heure? Moi aussi, c'est bon à moi qu'on vous lave. C'est toi qui as mal. Moi, je n'ai pas mal. Je suis fair play. Donc, là-dedans, je reviens à ma PAM. C'est sûr que mon admiral dort. Toi, tu as un général. Moi, j'ai l'admiral. Et ça ne chauffe pas. Et je reviens à ma PAM. C'est qui ici? Je reviens à ma PAM qui dit que il y a un pasteur. Si, oui, un pasteur qu'on a manqué du respect un jour. Dans le direct de M. Messin. Nous tous, nous avions vu. Qui t'envoie les prières? Le pasteur, là, il est là. Tu n'as pas cité son nom. Qui t'envoie les prières? Mais qui a manqué le respect au pasteur? Et à quel moment on a manqué le respect au pasteur? Tu étais là, non? Nous qui étions neutres, ça nous a fait mal. Bonjour. Bonjour, Nadège. Bonjour. Bonjour ma chérie, c'est juste pour te dire, j'apprécie ta façon de te comporter dans Facebook. J'aime, j'étais beaucoup, en fait je t'écoute souvent, je regarde ton direct de temps en temps, mais franchement on va dire n'importe quoi, mais je pense que toi tu es la personne qui observe, qui prend le temps vraiment avant de répondre les gens. Et j'ai compris que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de très, très bien. Quand tu réponds aux gens, c'est parce que ça a été vraiment abusé parfois. Juste pour te dire, reste comme tu es. Parce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui va insulter quelqu'un par vengeance.
C'est ce que j'aime pour observer et reste vraiment tel que tu es en fait. J'apprécie ton côté quand tu es parfois, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, tu n'empêches pas l'autre de ne pas parler, tu n'insultes pas parce que quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu encourages d'aller insulter, par exemple, comme Fleur de Lys. J'aime, en fait, j'ai toujours aimé ce côté en toi, en fait. J'ai toujours aimé ce côté. Donc, reste tel que tu es. Merci beaucoup, ma chérie. Bonne journée à toi et bon courage à toi. Merci, ma grande. Merci beaucoup, au revoir, ma belle. Merci. Donc, bref, on parlait du pasteur. Quand tu viens nous faire croire, ma Pam, que le pasteur t'envoie les prières, c'est pour que ça nous fasse quoi? Non, si on peut se fâcher du pasteur, tout en lui disant que, monsieur le pasteur, quand ces gens-là te manquaient le respect hier, on était avec toi. Aujourd'hui, pour envoyer les prières, tu envoies les prières à celles qui étaient parmi les gens qui t'ont manqué du respect. Au point où tu as même maudit. Ça m'a pas. Tu ne nous le dis pas. Tu veux nous faire croire que c'est monsieur Messan et que tu es bien avec le pasteur. Et pendant que tu es alors bien avec le pasteur, où est donc ta fille Nicole Quintia? Si c'est Quintia, si c'est qui? Qui l'a maudit en plein direct? Parce qu'il l'a maudit. Tu n'es pas sûr que c'est que ta fille Nicole Quintia est en train d'avoir. C'est à cause de ce pasteur, parce que vous vous levez, vous manquez du respect. Pendant que Nicole Ketia lui manquait du respect, qu'est-ce que tu avais dit ce jour dans ce direct? Aujourd'hui, tu veux qu'on dise que c'est M. Messan qui a fait, qui lui a manqué du respect. Non, M. Messan ne lui a pas manqué du respect. M. Messan n'a pas manqué du respect au pasteur. Non, je n'aime pas le faux. Maintenant, maintenant qu'il a maudit ta fille, qui est soi-disant ta fille, qui est en train de vivre le calvaire de sa vie, c'est comme ça qu'on dit que vous ne savez pas où la marche en sort. L'homme, c'est un homme de Dieu. Mais vous ne l'avez pas respecté. Parce que vous l'avez mélangé avec une boabaise, pas possible. Mais il crie quand même. Il veut te montrer que la bouche qui maudit, la bouche qui bénit autant pour moi ne maudit pas. Il vient quand même te donner les prières au point où tu es contente qu'il te donne les prières et tu viens, tu le dis comme si il est dans ta guerre, parce que c'est ce que tu veux nous prouver, que ce pasteur est dans ta guerre avec monsieur Messan. Oui, le même pasteur là, il a essayé de mettre les, comment on appelle le truc là, la paix entre pasteur à femme et d'Angelo Black. Parce que moi, c'est là où j'ai connu son nom. C'est un pasteur Bassa qui est dans les réseaux sociaux. C'est là où je l'ai connu. Mais quand toi, tu viens nous dire ça, c'est pour faire quoi? Que tu es protégé par les pasteurs, parce que les pasteurs t'envoient les prières. J'ai lui ça aussi à les gens qui lui envoient les prières. Les pasteurs, il y a pasteur et pasteur. Mais tous croient en un seul Dieu. Moment donné, faut arrêter d'être bête. Faut arrêter d'être minable, d'être toujours victime, de vouloir se prendre pour ce qu'on n'est pas, de vouloir accuser les autres à tort et à travers. Même la prière que tu fais, que tu es contente aujourd'hui, que tu fais une prière. Maman, Dieu ne dit pas maudit tes ennemis. Dieu dit protège tes ennemis et tes amis. Prie pour tes ennemis. Pour qu'ils voient ta gloire. Ce que tu fais normalement, tu devais être contente pour tes ennemis. Parce que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Dieu, donc, tu dis que tu pries quand t'envoies les prières. Moi, quand je prie pour mes ennemis. Je prie pour mes amis visibles et invisibles. La Bible le demande. La Bible ne veut pas l'égoïsme. Comme tu veux trop montrer que tu pries. Parce que nous, on ne vient pas parler de prière. As-tu déjà prié pour ton ennemi un jour? Ton pasteur ne te demande pas de prier pour tes ennemis? Pour qu'ils soient honteux et confus? Hein? Quand ils verront ta gloire? Mais maman, prie pour tes ennemis. Que
de maudire tes ennemis, chérie. Tu ne connais pas la Bible plus que qui que ce soit, chérie. On te reproche, tu as les problèmes avec tout le monde. Tu es avec tout le monde. Mets-toi dans un miroir, tu te mires et tu te poses la question. Mais pourquoi j'ai les problèmes avec Nadège Bapa? Les problèmes ont commencé par quoi? Achille la chèvre. J'ai les problèmes avec M. Missang. Ça a commencé par quoi? Glutanière. J'ai les problèmes avec Ndolo Moulema. Remets-toi en question. Tu demandes pardon à Dieu. Tu mets tes genoux par terre. Tu lui demandes d'abord pardon afin qu'il te sanctifie. Afin qu'il t'exauce. Rends grâce à Dieu. Ne demande pas toujours à Dieu sans lui dire merci. Parce que je suis sûr que dans tes prières que tu fais, tu n'as jamais rendu grâce à Dieu. Dieu aussi a besoin de ton merci. Dieu aussi a besoin que tu l'exhortes. Donc en venant dire ici que le pasteur prie pour toi, il n'est pas le seul pasteur au monde. Les pasteurs prient pour tout le monde. Les pasteurs prient pour tout le monde. Des musulmans, comment on appelle les gens qui se mettent dans la mosquée, là devant, là, qui dirigent les prières, qui sont comme les pasteurs. On les appelle comment chez les Aoussa? Oh, j'ai oublié leur nom. Ils ont un nom là. Chez les Aoussa, celui qui se met devant, ils sont comme les pasteurs là. Ils sont comme les pasteurs. Les imams prient aussi pour tout le monde. Donc tu n'es pas la seule qui a le pasteur. Ta maman entretient la maison de l'église. Elle l'église. La maison de Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'elle soit la plus dangereuse des mamans. Elle aurait dû empêcher tout ce qui se passe. Surtout que monsieur me sentait son épaule par rapport à toi. Est-ce que ta mère ne va pas à l'église? Pour une chrétienne, comme tu le dis. Pour qu'on sait qu'elle est servante de l'église. Pour qu'on sait qu'elle s'appelle la mère de Jésus, Marie-Josée. Pourquoi elle n'empêche pas tout ce qui se passe? Ta mère ne connaît pas Ndolo Moulema. Ta mère ne m'a pas connu. Ta mère ne connaît pas Jean-Louis. Ta mère ne connaît pas Nancy. Ta mère ne connaît pas celle chez qui tu as pris son nom. Ta mère ne connaît pas Achille. Si ta maman avait empêché que tout ce qui se passe vienne sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne nous entend pas. C'est qu'on est ennemi et personne n'entendra qu'on est ennemi. C'est une grande prieuse jusqu'à aller faire le bénévolat à l'église. On n'a pas peur des prières. On prie. Tout le monde prie. Donc que le pasteur t'envoie les prières, c'est son choix. Et c'est bon. Mais venir le dire en mettant que monsieur Messang lui a manqué du respect, j'ai dit non. Dans le même direct, on a eu mal de ta copine, de ta fille. Comment est-ce qu'elle peut parler à un pasteur de la sorte? On était tous là. On était spectateurs. Si on te dit qu'on n'a pas eu mal, on a eu mal. Aujourd'hui, tu l'utilises. Maintenant, il t'envoie les prières. Est-ce que tu lui as dit d'envoyer les prières à ta fille Nicole? Hein? Tu lui as dit d'envoyer les prières à ta fille Nicole? Je ne pense pas. Tu veux montrer que quoi? Qui t'a choisi? Et il a laissé M. Messang. Un pasteur ne choisit pas. Le pasteur, un pasteur comme le Dieu sur terre. Donc en venant le mettre dans ta saleté, il faut d'abord bien réfléchir avant de venir prononcer les noms de certaines personnes, surtout les hommes de Dieu comme celui-là, qui est respecté.
qui demeure et reste béni par le Dieu Tout-Puissant. Donc ne le mets pas dans la saleté. Parce qu'en faisant ça, en disant que mais Jean-Louis lui a manqué le respect, tu es en train de le vendre à Jean-Louis. Tu te dis, il n'est pas que ton pasteur seul, il est le pasteur de tout le monde. Parce que son rôle de pasteur, là, il n'a pas de choix à faire entre vous. Il est le serviteur de Dieu. Il doit servir le Dieu. Dieu l'a envoyé pour servir le monde. Ne l'a pas envoyé choisir. Choisir les ennemis ou mettre les problèmes entre les ennemis. Donc sache que comme il prie pour toi, hein, il prie pour tout le monde. Les mêmes prières qu'il t'envoie, hein, il ne t'envoie pas parce que tu es bonne. Peut-être comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas les passages bibliques qu'il t'envoie. Quand il t'envoie un passage biblique, prends Google, comme tu ne sais pas lire. Prends Google. Tu mets Google, tu mets comment on appelle comment on appelle ça? La traduction, la lecture audio. Tu entends les passages bibliques. Parce qu'il y a d'autres passages bibliques que certaines personnes, certains pasteurs envoient pour te faire un lavage de cerveau. Mais tu viens là, les prières me font du bien. Les prières me font du bien. Les prières me font du bien. De qui se moque-t-on? Bande de sorciers. Les prières me font du bien. Moi, tant que tu ne parles pas des enfants de Monsieur Messan, insulte-les. Fais ce que tu veux faire d'eux, mais les enfants. Les enfants, je n'accepte pas. Tu as assez insulté les enfants des gens. Comme le pasteur t'envoie, comme tu veux nous faire croire que tu dois insulter les enfants de Monsieur Messan, parce que il lui a manqué le respect un jour dans un direct. Mais tu as oublié de dire que pendant qu'il manquait le respect, tu étais avec lui. Comme c'est ce que tu veux nous faire croire. Tu as oublié de nous dire que il a maudit ta fille. Attend ton direct. Fais attention, fais gaffe avec ce qui sort de ta bouche. J'ai le temps. Le temps. J'ai dit que pour toi, je ne te laisse pas parce que tu pars trop loin. C'est chez toi que j'ai appris à insulter les mamans jusqu'aux entrailles. C'est chez toi que j'ai appris à insulter. J'avais peur d'insulter les enfants parce que tu n'as pas. Mais quand ta famille est venue se mettre sur les réseaux sociaux jusqu'à ta maman qui est une chrétienne plus que Dieu, est venue dire que je suis mal élevée. L'enfant à autrui, qui n'insulte pas, qui n'a jamais dit que ta mère, ton père, tu as insulté mes enfants, tu as insulté ma défunte maman, tu as fait ceci. Tu sais pourquoi je suis libre de remonter, comment je sors sur toi? Parce que tu as menti. Que je disais, devant toi, je ne sais pas à quel moment, à ma mère que look. Donc ça veut dire que non seulement j'ai insulté ma mère et ma grand-mère, que tu n'as pas connue, qui est décédée. Donc quand tu dis look de ta mère, j'insulte peut-être que tu ne te rends pas compte, j'insulte ma mère et j'insulte ma grand-mère. Et quand c'est comme ça veut dire que je dois être maudite de génération en génération. Ma chérie, j'ai le pouvoir que c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Un jour, vais vous faire un jour, une de mes tantes va parler sans savoir qu'elle est en direct. J'avais fait une soeur à parler ici, non? Est-ce qu'elle savait que j'étais en direct? Après, j'ai effacé. Je vais vous faire une tante, un oncle ou un membre de ma famille va parler ici. Le roux que j'ai, chez nous les Bassas, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ma grand-mère qui m'a donné ça. L'assurance que j'ai, c'est au nom de ma grand-mère et non au nom de ma mère. Donc quand tu te lèves, tu dis que j'ai insulté l'amour, j'ai eu l'amour pour ma mère.
Je la pleure jusqu'à aujourd'hui. Mais que j'ai dit à ma mère que look de ta mère, voilà le mot qui m'a fait mal, qui a fait que je sorte de mes gants et je vais sortir de mes gants parce que tu as assez menti. Et que tu viens mentir sur ma grand-mère, d'où j'ai prononcé le nom de ta grand-mère, pour te montrer que ma grand-mère était une vendeuse de macabre au marché central. La femme d'un dactylo, comment on appelle les gens là? Dactylographe. Parce qu'il a fait sténo, il a un centre de formation chez nous là. Il a formé la majorité des gens de Nubel. Que ces gens de Nubel qui viennent te parler de ma famille, la majorité mangeait chez nous. Je t'ai dit que ma grand-mère était une vendeuse de macabre au marché central. Ma grand-mère. Je me souviens quand ma grand-mère devait mourir, j'étais fâchée d'elle. Ce jour, je pars là-bas, elle me dit, parce que ma fille, je suis la première petite fille de ma grand-mère. La première petite fille de ma grand-mère à faire la première arrière-petite fille à ma grand-mère. Donc, ma fille porte le nom de ma grand-mère. Ma fille, c'est ma grand-mère qui m'a fait accoucher. Quand vous parlez souvent, faut savoir, ou vous insultez les gens, il faut savoir qu'il y a un endroit qu'on ne touche pas. Ma grand-mère était malade. Quand elle est tombée malade, je suis allée là-bas un matin, dans ma folie. Je ne sais pas ce qui s'était passé, ça c'est personnel entre nous. Elle m'a dit, ma petite fille, tu es parmi mes petites filles, tu as pris la place de tes grandes sœurs. Ma grand-mère me l'avait dit. Le jour que ma grand-mère tombe malade, en phase finale qu'elle veut mourir, je pars chez ma grand-mère à Nubel. Je vais vous raconter la petite histoire. Sortant de Deido, je pars chez ma grand-mère à Nubel. Mon oncle qui est décédé, Didier, me dit qu'il y a ta grand-mère qui est hospitalisée, tu ne pars pas. Il lui dit que Didier, je n'ai même pas un centime. Il me dit que je te paye le taxi. Ma famille est sur Facebook. Je te paye le taxi. Quand on arrive à l'hôpital, dès que je dis, j'entre là, ma grand-mère nous a vus, l'amour qu'elle avait. Quand ma grand-mère nous a vus, on l'a touchée comme ça. J'ai ma petite soeur Matou, de son petit nom, qui me dit que Mbombo, ça ne donne plus. Elle tire les orteils, elle fait comme ça. J'ai dit, fais-lui doucement. Elle dit, ça ne donne plus. Je viens et dis, Mbombo, c'est comment? Elle me regarde, j'ai dit, Mbombo. Ça va, un bonbon, en cet ambassade. Quand j'ai fini la parole, ma grand-mère a fermé les yeux. Les analystes ont dit que ma grand-mère voulait me voir avant de mourir. Quand on a commencé à taper la bouche, c'est chez ma grand-mère que j'ai vu qu'on tape la bouche comme ça pour que la bouche se ferme. Elle voulait me voir avant de mourir. Donc, quand tu viens, tu te lèves, tu manques pour faire plaisir aux gens. En disant que je disais à ma mère que le gros de ta grand-mère, tu viens insulter ma grand-mère. Non, je ne peux pas te laisser. Je vais être en combat avec toi, ma chérie. Et je suis dans ce combat parce que c'est maintenant que mon combat avec toi commence. Avant, c'était la muse-gueule. Mais venir mentir que j'ai dit que le gros, voilà d'où vient ma bénédiction, mon los. Et personne chez nous au Cameroun ne me parle. On m'appelle ma lionne. Mon beau-frère m'appelle ma reine. Mes oncles m'appellent ma lionne. Demandez à la fille de Yaoundé de si c'est Simalène, si c'est qui là. Nous sommes partis chez mes grands-parents. Tout le monde seulement tremblait comme ça. Demandez-lui, elle va vous dire. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde se met au pas chez nous.
Je suis comme l'héritière de ma grand-mère. Je suis l'œuf de ma grand-mère. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de tout sur Facebook. J'ai eu la bénédiction de ma grand-mère. Donc, quand vous ne savez pas respecter ce qui est respectable, je vais te traiter ma femme. Je ne te laisserai jamais te reposer. Jusqu'à ce que tu arrêtes tes conneries, tes mensonges que tu as l'art de raconter aux gens sur les réseaux sociaux. Je préfère bafouer mon image. Au nom de ma grand-mère, il y a des gens qu'on touche, il y a ceux qu'on ne touche pas. Donc, on attend ton direct que tu as dit. Voilà le direct que je voulais faire ce matin. Voilà mon direct que je voulais faire ce matin pour montrer à cette fille que elle est tellement bête, elle n'est pas réfléchie. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Ma générale va parler. Je vois tout partout, on publie ma fongofi. Ma fongofi, joyeux anniversaire. Moi aussi, je profite, je te souhaite joyeux anniversaire. Parce que je vous confonds tellement, il y a bleba, tout finger, ou c'est les kiki. Donc, quand je vois que Rêve a partagé comme ça, il dit joyeux anniversaire aussi. Beaucoup de bonheur, de bénédiction, d'amour et de gloire. Que tout ce que tu touches brille. Il y a le deuil de la maman là qui nous a quittés. Comment elle s'appelle? C'était Léonore, non. La coépouse de la sœur d'Amouine là s'appelle comment? Ouais, j'ai oublié. Et il y a des soirées, nous sommes dans des soirées, bientôt, il y a la soirée du 11, il y a la soirée du 11 et tout. Et puis, il y a aussi le problème de mon petit frère, Daniel Nsang, le recteur. Mon fils, je suis de tout cœur avec toi. Hein. Je suis de tout cœur avec toi. J'ai appris que ton machin se balade dans les inbox. Vraiment, que tu es parti faire et une fille, tu t'es reposée, une fille t'a filmé. La fille qui filme, qui vient mettre sur les réseaux sociaux, c'est tes fesses que tu as filmé pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas, oui, ange, mais c'est délice d'Afrique. Wow, ma coco, délice d'Afrique. Délice d'Afrique. Voilà une personne, c'est ma copine. Donc, bref, je l'ai connue sur les réseaux sociaux, mais une très bonne amie, une très grande conseillère, une grande sœur. Je t'aime, Délice, Délice d'Afrique. Donc, le petit sang, Daniel, la nudité de la fille, c'est-à-dire, envoie-moi, je vais entrer dans ton inbox, mon petit. Tu vas me donner la photo de la fille, là, je vais faire un direct propre sur elle, et le direct, là, va m'être long. Parce qu'il faut qu'on mette l'image de ce genre de fille sur les réseaux sociaux pour montrer aux hommes qu'il y a les filles qu'on touche et les filles qu'on ne touche pas. Tu ne peux pas aller dormir avec un homme. Tu finis de faire la chose que Dieu a demandé, allez et multipliez-vous. Après, en fin de compte, tu prends, tu filmes l'homme en train de dormir, tu publies sur les réseaux sociaux. J'ai vu ma Diba le faire avec une fille toujours en train de publier. Tu publies le gars, un homme public sur les réseaux sociaux. Toi, tu penses que tu es caché? Tu penses que ma chérie, en le faisant, un homme va encore oser venir dormir avec toi, même si Daniel t'a fait n'importe quoi. Même si Daniel est waka. Même s'il est au bordel, même s'il est n'importe comment, il y a beaucoup de femmes, peu d'hommes. Le plus souvent, on accepte ce que nos gars nous font. On veut seulement le respect. Un gars peut avoir même 10 000 femmes. Dès lors où tu te respectes, qu'il ne te montre pas, ce n'est pas grave. Il y a aussi le Congo, ça, qui fait que les femmes ont beaucoup de problèmes avec les hommes. Mais on vient te dire, un Congo, ça, que l'homme. Ton homme est avec une femme là-bas. Tu dis, ça fait quoi? Il n'a pas le cas.
cadenas. Mais tu prends le gars d'autrui, tu vas afficher, et non seulement tu le filmes à son insu, et tu publies encore, la femme est méchante. Ouais. La femme est méchante. La femme est très dangereuse. Ma générale, c'est sûr qu'elle dort, non? Elle est au Canada. Est-ce qu'elle est comme maid à loi? Ma générale dort. Est-ce qu'elle est comme maid à loi? Ma générale n'est pas comme maid à loi. Attends un peu. Ma générale doit être en train de dormir. Il est quelle heure au Canada? Et pour si, avant que tu étais ma personne, et pour si Mireille, ça va, tu dis que tu n'es pas d'accord comment? Son père l'a accouché pour une seule femme. Hein? Et le 0237 m'appelle. C'est qui ça? Ah. Et ma générale m'appelle. Coucou, ma puce. Oh, je vous ai dit non. On a dit que tu es admiral. Maman, les gens te demandent ici. Qu'il est 5 heures ici. J'ai dit non. Les gens aiment trop le Congo, ça. Je vais un pouvoir de tirer ta bouche. Il est 5 heures là-bas. 5 heures. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin, on dit que quelqu'un dit bon matin. Donc, il est 5 heures là-bas. Donc, quand Maître Aloua va faire souvent les directs à 11 heures comme ça, là-bas, il est 5 heures du matin. Et Maître Aloua ne dort pas. Chat, je t'appelle, c'est parce que tu m'as appelé là, ma mère, j'étais en direct, s'il te plaît, chérie. Et ma grande soeur, mon amour. Maman, je savais qu'il était 5 heures du matin au Canada. Je l'ai arrêté, ma. Elle est dans le Japap. Elle a dit qu'elle est générale. Elle est dans le... Non. Non, ma générale va répondre. C'est ma part que Dieu m'a envoyée. Je suis restée. Moi aussi, il y a un pasteur qui prie pour moi. Il y a l'imam qui prie pour moi. Que ma fille, je vais t'envoyer. Ils ont prié. Ils m'ont envoyé l'admiral. Que je dois me poser maintenant. Elle est admirale. Elle est admirale, hein? Maman. Hey. Donc, bref, c'était la petite histoire. C'était pour répondre à ma Pam que chaque sortie qu'elle va faire, si c'est nécessaire, je viens, je lui donne son heure juste, les erreurs à ne pas commettre. Donc, dans ta guerre, enlève le nom du pasteur. Parce qu'il est le pasteur de tout le monde. Dieu ne l'a pas envoyé que de te servir. Et ne viens pas mettre son nom dans la saleté. Ok? C'était ça. Et puis maintenant, dis que ton direct, tu es allé faire, comment on appelle, prendre un rendez-vous. Je te conseille, en faisant ton truc, demande à un laboratoire, tu leur dis que tu es une blogueuse. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Donc, bref, peut-être dans les prières aussi, Dieu a dit que ce n'est pas parce que vous faites des dons que vous êtes un enfant béni. Ce n'est pas parce que vous faites des dons que vous montrez que vous êtes béni. D'autres font les dons sans rien dire.
Tu ne sais pas si j'ai fait les dons. Tu ne sais pas. Moi aussi, ma part de Dieu m'a dit que j'aurai ma générale qui, quand je veux même parler, elle me dit que si toi-même tu parles, je te lave propre, dans mon propre mur. Et quand les gens comme les Mado viennent me dire que j'ai laissé qu'on t'insulte, je l'ai laissé. Et je vais laisser aujourd'hui. Et je vais laisser demain. Et je vais laisser après-demain. Et je vais laisser tant qu'on est sur Facebook et que tu ne reconnais pas tes erreurs. Parce que c'est toi qui as partagé ou on m'insulte. Et c'est toi qui as pris une personne, même si elle est ta générale. Je n'étais pas entendu, même par hypocrisie, dire que laisse Tata Naa tranquille. Non, tu n'as pas dit. Je n'étais pas entendu dire ça. Donc, moi aussi, c'est bon à moi que ma générale t'insulte. Et comme nous tous nous sommes là maintenant pour les étoiles. Donc, toi, quand ta générale insulte les gens, il y a les étoiles. Moi aussi, ma générale a insulté hier. Et il y a les étoiles. Et elle m'a dit que les étoiles là que tu as eues, c'est pour Bombo Mami. Donc, nous tous, on est au travail. Des étoiles sur Facebook. Voilà. Sur ce, elle est même sa générale. Elle-même a sa générale a insulté Tata, Lolo et toi. Bien sûr! Et puis le problème, c'est que c'est elle qui vient dans mon inbox dire que j'ai laissé les gens l'insulter. J'ai parlé de ça là. Que j'ai laissé les gens l'insulter dans mon truc. Et je lui ai dit que c'était bon à moi quand on l'insultait. Chez nous, on dit que Yombandab Ko, Yombandab Lolo. Donc, voilà. Bon, vous êtes au courant du tribunal, ma? Vous êtes au courant du tribunal? Ngoyol n'a rien dit, Ngongongo n'a rien dit à propos du tribunal. Bon, voilà. Si elle n'a rien dit, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, Daniel Messan, je dis même Daniel Messan, Daniel Sang, mon fils, je viens dans ton inbox tout à l'heure. Je veux que tu me donnes la photo de la fille là, je l'expose bien. Je fais le réel, je fais le montage bien sur elle pour que les gens sachent à qui ils auront affaire, les hommes, sachent à qui ils auront affaire demain. À qui ils auront affaire demain. Donc, sur ce, à tout à l'heure. Et Ange est montée. Ouais, elle était malade. Et la voici, si elle avait maigri. Aïe, la vie, hein. Et nous sommes des poussières. Et nous retournerons poussière. Et donc, elle était malade comme ça. Oui, Seigneur, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Ange. Ouais, la vie de l'homme. Vraiment. Bon. Tu sais, hein? Et les boueries, tout le monde est en train de faire le truc. Ouais, je suis sûr que Dosso est seulement en train de pleurer et la femme-ci, qui était sa co-épouse qui ne la laissait pas là. J'oublie son nom. Donc, j'oublie son nom. Oui, Ange de ma famille, non. Elle est décédée. Elle est décédée, je vois ça partout. Elle est décédée. Elle est décédée au... Voilà, donc... je vous embrasse. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous bénisse. Apprenez à prier pour vos ennemis. Apprenez à prier pour vos ennemis. Pour qu'ils vivent aussi longtemps pour voir votre gloire. Voilà. Oui, ma famille, non. Hein, Thérèse Mbaze, voilà. Donc, voilà. Voilà, oh, je vous laisse. Donc, après chaque sortie de ma femme, je suis dehors, moi aussi. Maman, on va chercher les étoiles, là. Elle a dit que elle va, comme elle aime trop imiter, comme j'ai dit que je vais avoir les étoiles, et l'argent sur la tête de Monsieur Messan. Elle dit qu'elle aussi, elle va voir l'argent sur la tête de Monsieur Messan. Donc, on va donc nous tous courir sur la tête de Monsieur Messan pour avoir les étoiles. Maman, le
lève et je nous mets au travail. Donc, moi, je vais prendre les étoiles positives et toi, tu vas prendre les étoiles négatives. Merci, Green Club, Georgia. Non, bon, je reste alors. Je vais alors parler. Je ne parle pas, maman. Ah, maman, ma part de général n'est pas petite. Hein. Viens alors parler. Viens, tu parles alors, maman. Ah, maman, voilà ma part de général. Après, on va aussi ouvrir. Bonjour, ma Fongofi. On va aussi ouvrir ta part de page. Je vais aussi ouvrir ta part de page. On dit que quoi, admiral, hein? Et parle alors, ma. Essaye, savait qu'il était 5 heures. Parce que ma mère d'Aloi nous fait souvent les directs ici. Nous fait souvent les directs. Je savais, je suis au Canada. Je suis dans le pays où on vend le maïs en route. Et c'est le même pays où on vend le maïs en route que les gens qui ne vendent pas le maïs dans leur pays vénèrent. Oui. Donc, je suis dans le pays là. Donc, on n'a pas la même heure. C'est amiral, hein? D'accord, amiral. D'accord. Merci. Qui a même dit ça? Parce que j'ai vu l'autre. Merci beaucoup, maman. Merci, c'est gentil de me le rappeler. Voilà. Donc, amiral, là. Elle dit que quoi? Maman, tu as parlé où je ferme d'abord le soir. Le bon direct, c'est le soir. Hein, Diane et Wane, merci chérie. Merci. Quand c'est souvent comme ça, là, dans la politesse, maman, on vous envoie seulement le bonheur. Mais quand vous venez seulement que vous insultez, venez donner votre point de vue sur les murs des gens. Mais n'insultez pas. Il faut être fair play. Moi, c'est quand tu viens ici, voilà, et pour Mireille, c'était ma personne. Hein. Maman, quand tu parles à voir me laver, comment on appelle? Je Congo, ça fashion là-bas. La fille, là, me lave là-bas. Mais ici, sur mon mur, elle polie. Je la prends comme ça. C'est comme ça, la vie, il faut être fair play. Facebook, c'est pour le game. Ceux qui prennent Facebook au sérieux, c'est leur problème. Donc, nous avions nos soirées. Nous avions notre coupure de ruban le 20 mai. Le 20 mai, nous avons nos savons qu'on vend pour avoir un beau teint. Comme la rose du 237. Allez sur la page, marque la rose du 237. Elle vend ses savons à 10 euros. 10 euros, un savon. Et pour avoir un temps, le couetou fermé, comme celui de Madame Messang, une seule adresse. Parce que Monsieur Messang dit que son couetou est bien serré et c'est propre et ça sent bon. Une seule adresse, le couple des jumelles Messang. Donc c'est là-bas. Maintenant, pour avoir les veines, les veines, ah, maman, le tribunal de ça, pour avoir les veines au corps, le Fanta Coca, le Coca Fanta, la cola ou le Mitacola, une seule adresse, Glutagrenouille Mkongo. Allez là-bas, vous serez bien servi. Après, ne dites pas que je suis chiche. En plus, je fais la publicité, donc je n'attends pas le salaire. Je suis gentil, je fais gratuitement. Donc prenez ça comme l'offre. C'est tout. Bon, il y a encore qui? Il y a des soirées. Il y a une soirée le 21 juin. C'est les amours. Il y a une soirée le 11 mai. Le remplisseur de salle, pour le remplisseur de salle. Il y a une soirée le 2 mai et le 2 novembre. La yamseur de ma patronne, c'est le 2 novembre. Et il y a la coupure du ruban. J'espère que je n'ai rien oublié. La coupure du ruban,
de notre cuisine de la gloire glorieuse, c'est chez notre Mondjang, Mondjang de tous les temps, ma zéro paix. Ma zéro paix. Donc, Mondjang, elle nous a montré qu'elle est ma zéro paix. On la prend avec ses qualités et ses défauts parce que nul n'est parfait. Voilà. Donc, j'ai déjà acheté mes habits, ma zéro paix. J'ai déjà acheté mes habits. Et le 20 mai, je suis chez ma zéro paix avant tout le monde. Je vais aller l'aider à faire la cuisine et tout, le ménage, ce qu'il y aura lieu de faire. Je m'en vais chez ma zéro paix, l'aider. C'est pour ça, on est aussi là pour ça. Même si elle va m'insulter demain, je vais la laver demain. Mais nous sommes ensemble, c'est maman Dian. Voilà. Et pour notre voix bébé, la surprise de ça, on a un voix bébé dans pas longtemps, avec ma petite soeur d'amour, Coco Kwetu. Au mois de juillet, la date vous sera communiquée. On va dans notre voie bébé. Maintenant, pour les gens qui sont interdits dans notre voie bébé, je ne parle pas, on va dire que ma bouche sort. Donc, de toutes les façons, vous savez les gens que je ne veux pas voir dans notre voie bébé. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Donc voilà, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Que Dieu vous protège. Donc, nous sommes au mois de d'avril. À partir du 1er mai, je vais faire la pub de Maman Jean et de Fort le Remplisseur. Voilà. Envoyez les cœurs pour mon amiral. On dit que quoi, mon amiral. Mon amiral appelle. Envoyez les cœurs, envoyez les étoiles. Oui, chérie. Je suis en train de suivre le direct. J'ai un peu parcouru la toile. Donc, je suis en train de voir que elle est en train de dire que droit de réponse à 17h. Il n'y a pas de problème. On est là, on est connecté. Je vais encore parcourir partout, ou bien prendre les éléments. J'étais d'ailleurs sur le direct de Goussa, pour prendre les éléments. Parce qu'on ne va pas les insulter avec le fou, on va les insulter avec la vérité. Et bien, mais il faut même mettre sur ta page, si tu as le temps tout à l'heure, tu mets que après son droit de réponse, nous-mêmes, on va lui répondre. Parce qui? On va lui répondre. Qui? Dorcas dit que. Qui a peur d'elle? Elle a mis que droit de réponse, machin. Qu'elle nous répondra, on va lui répondre. Celui qui a commencé le premier verra. On va voir qui fut le premier. Elle a dit qu'elle ne pleure pas, non. Elle dit qu'elle t'appelle à Mimbos, pourquoi? Donc, elle a mis droit de réponse. Yeah. Oui, elle a mis. Yeah. Elle va donc répondre à qui? À toi ou à moi? Même si c'est à moi, je serai là pour le répondre. Elle va donc répondre au faux profil. Bon, on va attendre. Mm-hmm. Si c'est à moi, si c'est à moi, pardon. Hey, elle va lire. Elle va bien nous répondre. Bien même. Mm-hmm. Je suis là. Patron. Il fait les trucs des enfants, il libère les enfants. On va aller le répondre. Oui, chef. Yeah, maman, la fille ne met pas longue dans mauvais rêve. Elle a déjà dit au revoir. Elle a déjà dit au revoir et elle a fini. Hein. Madoka voulait arriver où elle est arrivée. À 17h précis, donc, on a trois directs à décrypter et trois directs à répondre. Vous avez entendu comment l'amiral a dit non. Donc, on va répondre, Mado. Et ça ne chauffe pas. Donc, tout à l'heure, après le direct de Mado et de ma femme, nous, on récupère le reste. Et ça ne chauffe pas. Donc, comme je vous ai dit, pour avoir le gros ventre et les pieds jambonneaux, comme ma bosse, aller sur un seul mur, glutanière de Nantes, la tisa interplanétaire, au pied jambonneaux. Et si vous voulez manger le jambon, bien juteux,
Eh bien, comment on appelle souvent ça? D'ordure. Aller sur le mur de ma glutinière. Elle coupe une partie de son jambonneau. Elle vous met, elle vous serre. C'est comme ça et pas autrement. Donc sur ce, hein, je vous laisse. Vous avez vu ma générale à travailler. Tata, elle était en direct hier. Elle a dit que le procès était comment. Moi, je ne sais pas. J'ai demandé à Coco de faire le truc, c'est comment on appelle ça? La retransmission, mais on n'a rien suivi au moins. On n'a rien suivi. Donc moi-même, je ne sais pas. Maintenant, vous venez me demander, je vais vous dire que quoi? Elle va seulement venir nous dire, n'est-ce pas? C'est elle qui est venue nous dire sur les réseaux sociaux que c'est monté, c'est descendu. Donc elle va sauf que venir nous dire. Tout ce que moi, je sais, c'est que j'ai envoyé. Les trucs, j'ai envoyé les trucs, donc l'autre, je ne connais plus. Maintenant, on attend seulement, Mad va répondre, ou doit de réponse à qui, ou c'est à mon général, ou c'est à qui, bon, on attend. On attend l'enfant ne vient pas. Sur ce, à tout à l'heure, je m'en vais manger du saumon. Avec du riz, mais malheureusement, j'ai très mal fait mon riz. Je m'en vais manger du saumon avec du riz. Donc, du saumon à la sauce basquaise. Je voulais dire la sauce vasquaise. Oh, elle est même où, ma petite? Du saumon à la sauce basquaise et du riz avec un peu du citron. Oh, le goût de ça. Le goût de ça. Voilà. Merci et à très bientôt. Envoyez les étoiles. Envoyez les cœurs. Hey! Maman, ça cuit. Ça cuit. Attendez, regardez ici. Attendez, je vous mets quelque chose. Hey! Attendez, attendez. Hey, attendez, je vous mets quelque chose. Attendez, je vous mets quelque chose. Ah. Maman, les essais. Ma chère, la dame des puces, des punaises, c'est celle-là. Oh, je suis dans le bombé. Vous Ah. ne connaissez pas, avec les gens dans le bombé, Mayon, il dit nous, 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 dans le bombé, c'est la porte de bouillie, il dit là. Oh, je suis dans le bombé, oh, je suis dans le Dans bombé, ta bombé, maman. Hey, juste ça. Maman, elle voulait partir. Voilà, tu as parlé. En tant que strassocisme, en tant qu'une femme, en fait, en tant qu'une femme, en fait, qui se nourrit des cacophages, des punaises. En tant qu'une femme, en fait, qui se nourrit en fait de la puissance. Fort, dans le bon pays. Oh, je suis bien dit, nous, nous, dans ta bon pays, nous, Ouais, la fichière est partie loin là-bas chez les gens là. Aïe. Avait insulté mon frère un jour en habit là. Je ne sais pas où il part souvent. Il part, il tourne, après il revient. Il a insulté en habit là un jour. Maman, la fille est partie loin là-bas. Oh,
Non, Véro, il dit les gros mots. On cherche l'angbombe, nous, tabombe, nous. Non, c'est les gros mots. Ma chère, la dame des puces, des punaises, des aides, on chie dans le bombé. Vous la connaissez pas, attendez, mais son dame, dans le bombé, ma yon, il dit, nous, il est dans le bombé, moi, je fais déjà. Que les lâches de sa mère sang. On chie, allez, dans ta bombé, on chie, la ta, ouch! Il dit, nous, il est dans le bombé, on chie, dans le ta bombé, mon fort. Ah, il passe souvent où pour revenir. Toi, tu as parlé. Toi, là, tu as parlé. En tant que strasocisme, en tant qu'une femme, en fait, en tant qu'une femme, en fait, qui se nourrit des cacafras, des punaises. En tant qu'une femme, qui se nourrit, en fait, de la pisse. Fort, dans le bon. Non, j'ai aussi dit, nous, les mots, dans ta bombe, les maillons mousses. Oui, nous, 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 sommes forts. On cherche dans le bon. Si c'est comme ça, en bas, comment? Hey, les anciens mots, Polo. Hey. Ça. Donc la fille, si elle est longue là-bas chez les gens, c'est... Je n'ai pas... Avec toi, je n'ai pas besoin de ta photo de couverture. Avec toi, je te couvre. Avec toi, je te fabrique. Mais t'as tout ah. Ha! Hey. Il y a des choses sur les réseaux sociaux. Ah. Ma chère, la dame des puces, des punaises, c'est celle-là. On chie dans le bombé. Ha! Vous la connaissez pas? Attendez, mais son dame, dans le bombé, ma yon. Il dit, nous, 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 dans le bombé, on chie 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 dans le bombé, mon fort. Ha! Il passe souvent où? Il passe souvent. Alors. Attendez. Je vous mets le gâchier. Ouais, j'étais où? J'étais dans quel direct? Attends. Ouais. Congo ça. Et j'étais où pour regarder ça? Parce que le gâchier est fort, tu comprends, hein? Centre du Congo ça. Attends. Ah, attendez un peu, hein. Je m'en vais voir chercher deux doigts. Hé, hey, peut-être son nom va sortir. Son nom va sortir. Hé, hey, maman. Hé, hey, la folie. Hé, hey, hey, voici l'autre. Ce que j'ai vécu, justement, puisque apparemment, il y a comme vous qui avez vécu des choses. Tu m'as dit, Il y a deux jours, j'étais dit que fais attention, n'aie pas femme, on te joue dessus dans la vie, c'est pas femme. Je suis vraiment désolé.
d'attribuer cet homme à quand ils sont pas dans ça. Hey! Donc la fille l'a insulté comme ça sur. Hey! Attention! Chacun fait le direct de son côté. Parce que c'est comme ça que ça se passe souvent. Ils se séparent, mais le tout aussi, avant elle pleurait chez Rêve. Maintenant, elle va aller pleurer chez qui? Donc, le gars est déjà parti encore. Hé! Hey, les pleurs de son. Ça ne l'intéresse pas. Collège était là. Nous, on fait attraction. Nous, on fait attraction. Non, on est suffisamment. Non. Regardez-moi un vieux père avec les enfants. Maman, il y a la pub. Eh, c'est encore, je suis encore quitté là-bas. Qu'est-ce que les gens se me veulent sur ces finances pro. Hey. Maman. Ah bon, hein? Mais on dit tome 2 alors, pourquoi? Si vous dites que c'est le buzz. On dit tome 2, pourquoi? Si vous dites que c'est le buzz. Ah! Attendez, je cherche où le gars a insulté mon frère. Attendez, je mets Annabella. Non, je mets Annabella, la mexicaine. Annabella. La mexicaine. Ah! Le gars l'a insulté Annabella. Hé, mon frère. Comment on dit souvent? Le gars l'a insulté Annabella. Le gars qui a dit, « Oh, tu dans bombe, nyon, ta bombe, nyon, da de bon, nyon, de be, ouh. » Ché, maman, ça cuit. Tu fais que dormir dans les hôtels, mais tu es en train de cohabiter. Parce que tu ne peux pas, de ta vie, tu ne peux pas dormir dans un appartement comme ça, comme celui-là. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne mérites pas. C'est lui ici, non? Dans les veines partout. La vieillesse, hein? Ah. La ménopause. Ah. Quand tu vieillis mal. Hey. Tu vieillis mal ton appartement, tu vieillis ta mère, tu vieillis ta femme. Laisse-moi parler. Je peux parler. Tu vas parler de quoi? C'est ton direct ici. Tu es malade de quoi? You crazy bro. Hey. Tu peux parler de quoi? C'est ton problème. On fait ton live. On pense que tu laisses ma vie. Toi là, tu veux t'avertir. Ah. Je cherche les vidéos du gars. Ce qui s'est passé il y a 5 ans ou bien il y a 10 ans aujourd'hui, I don't remember. Ah. Je vais te dire. Juste à vous faire mon frère parler l'anglais. Ça me dit quoi, grand-père? Ça me dit quoi? Toi, tu as été amoureux de moi. Hey. Mais moi, c'est toi. Pas la même chose. C'est toi. J'ai tes photos. Je ne voulais pas de toi. Je t'en suis de moi. Je ne parlais pas au champ. Depuis bien, qui ont ramé.
Le problème, c'est que ta nationalité là, est déjà là, c'est ça ton problème. Maman, ça chauffe là-bas, hein. On me dit souvent, maman, maintenant je vais aller là-bas seulement dedans là-bas. Je cherche le gars là, je ne sais pas comment il s'appelle. Sa vidéo s'est retrouvée ici sur Facebook un jour. Où il marchait, il fait seulement, je l'ai reconnu parce qu'il fait les va-et-vient. Donc il y a eu les insultes là-bas. Maman, moi je vais aller dans TikTok. Je vais aller m'inscrire dans TikTok, maman. Sur ce, je vous laisse. À tout à l'heure. Bisous.